your shadow tighter, grab position and unravel for the way. All electronic devices are switched off and your seatbelt is securely fastened. Thank you. Sur l'île d'Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, le sable se déplace avec ses conséquences destructrices. Les causes de cette érosion côtière sont multiples. Les variations du niveau moyen de l'océan, les effets de construction humaine. Ainsi, une simple rampe de mise à l'eau suffit à modifier le mouvement naturel du sable. Mais plus surprenant, des phénomènes climatologiques lointains impactent aussi ce lagon du Pacifique Sud. À l'opposé de l'érosion, lorsque le sable s'accumule sur une plage, c'est ce que l'on nomme l'accrétion. Ce matin-là, nous suivons Jérôme Aucan, océanographe physicien à l'Institut de recherche pour le développement. Une plage, c'est quelque chose qui est très vivant, hein. Le sable va et vient en fonction des marées et aussi surtout en fonction des vagues. C'est-à-dire les vagues sont le moteur des plages, c'est à cause des vagues que le sable va se mettre en suspension, bouger, soit partir, soit revenir. Donc pour comprendre la dynamique d'une plage, il faut qu'on comprenne la dynamique de ces vagues qui sont ce moteur de l'érosion et de l'accrétion des plages. En Nouvelle-Calédonie, on est surtout impacté par les grandes houles qui viennent du sud, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sauf qu'ici, maintenant, aujourd'hui, on se trouve dans le lagon d'Ouvéa, et le lagon d'Ouvéa est protégé de ces grandes houles de sud par la Grande Terre. Par contre, il se trouve que le lagon d'Ouvéa est ouvert sur une fenêtre qui ouvre sur le Pacifique Nord. Quand il y a une forte tempête au large, les vagues sont créées par le vent au milieu de la tempête, et ces vagues vont ensuite se propager hors du lieu de la tempête, se transformer en ce qu'on appelle la houle, et cette houle peut ensuite voyager sur des milliers de kilomètres tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacles comme des îles ou des plages. Ici, il se trouve qu'à Ouvéa, on a une fenêtre ouverte sur une partie du Pacifique Nord, et les vagues qu'on voit aujourd'hui ont pour origine le large du Japon et ont mis à peu près une semaine pour venir. Donc les mêmes vagues auraient mis 3-4 jours pour aller briser, pour le grand plaisir des surfeurs, sur les côtes d'Hawaï. Et pour nous, ici, elles ont remis une petite semaine. En ce qui concerne l'océanographie physique, donc qui s'intéresse principalement à des phénomènes physiques que sont les vagues ou la marée, un des buts aujourd'hui, c'est de mieux comprendre ces vagues. Donc c'est à la fois le passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant les 50 dernières années. Par exemple, pour reprendre le cas d'Ouvéa, quelle est la répartition de vagues qui vient du Japon par rapport aux vagues qui viennent du lagon, par rapport aux vagues qui viennent du Chenal des Loyautés. Il y a la lente montée du niveau de la mer dans le cadre du changement climatique. À cela s'ajoutent des variations d'une année sur l'autre qui sont dues aux grands courants marins, qui sont dues à des phénomènes comme El Niño. Donc tout ça, ça a un effet sur la plage, sur l'érosion, sur le milieu marin qu'il faut comprendre. Donc une des meilleures façons de comprendre, c'est d'abord d'observer. Donc c'est pour ça qu'on pose des capteurs dans le lagon pour étudier le niveau marin, les vagues. Et ensuite, on utilise des modèles mathématiques, donc sur des gros ordinateurs, qui essaient de recréer toutes ces conditions, et ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe là où on n'a pas pu mettre d'observation, ou là on n'a pas d'observation dans le passé. Quand ces modèles sont validés par les données, on peut l'utiliser pour, par exemple, prédire quelle est la direction des courants, quelle est la direction principale du transport du sable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ça si on veut, par exemple, construire une digue. Ces outils vont nous permettre de savoir, ah, mais si on construit la digue là, on va bloquer l'apport de sable et on va contribuer à l'érosion sur cette partie de la côte. Où ces modèles vont permettre de nous dire, ah, cette structure-là, il vaut mieux la faire sur pilotis pour éviter l'engravement ou l'érosion de la plage à côté. Toute modification de la dynamique des courants marins, qu'elle soit d'origine naturelle ou d'origine humaine, semble avoir des conséquences plus visibles en cette période de dérèglement climatique. Ici comme ailleurs, peut-être est-ce là l'occasion de questionner certains de nos aménagements, mais aussi de nos usages domestiques, qui, bien que semblant anodins, participent à leur mesure à l'érosion côtière.